très important évidemment. Bonsoir à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. La team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Alors vous n'y êtes pas. Première rencontre de groupe dans cet Euro 2024. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Pour l'Écosse. Et le bon centre là peut-être. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et c'est une frappe. Ah, le gardien repousse, attention ce ballon qui traîne. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Bon, le premier but peut-être de cette rencontre. Et c'est sauvé par le gardien. Ça joue avec McTominay. L'occasion de prendre l'avantage. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Et c'est pas fini. Et voilà le premier but, l'ouverture du score. C'est logique, après la domination, sans partage. On la revoit, cette frappe au premier poteau, c'est très bien joué dans le trou de souris, même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. La grosse occasion pour égaliser peut-être. Et le gardien était bien vigilant. McTominay, bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Ballon pour Shaqiri. Quel bon ballon au premier poteau. La contre-attaque était presque parfaite. En revanche, la finition. Trop de précipitation, d'énergie dans ce dernier geste. Parce que l'action était magnifique. Oh, c'est contré. Oh oui, la frappe. La transversale remet le ballon en jeu. Et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon. Et ça peut leur permettre de sceller définitivement la rencontre. Le pénalty est transformé sans trembler. On revoit le pénalty, même si le plongeon est effectué du bon côté, on voit bien que finalement il ne fleure même pas le ballon. Tout ça est allé un peu trop vite. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Ouh, l'occasion de revenir. Et non, c'est pas fini. Plus qu'un but pour revenir dans ce match. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et le match se termine donc à l'instant, évidemment, pour les supporters qui ont fait le déplacement. Déception avec cette défaite. Cette équipe a eu pas mal d'occasions, mais finalement, c'est une défaite d'un petit but d'écart. C'est assez rageant, j'imagine. Et de son côté, ça a été une bonne prestation dans l'ensemble. C'est un match complet de sa part. Il y a de l'effervescence, de la vitesse, de l'abnégation. Et puis ce but pour contribuer à la victoire de son équipe. C'est très bien joué.